Le premier distributeur de produits fermiers du Haut-Rhin a pris place sur le bord de la route de Tann à Aspach-le-Bas. L'Alsace possède déjà 7 distributeurs du type, tous situés dans le Bas-Rhin. Le concept, originaire de Suisse, est simple, pouvoir acheter des œufs, de la farine ou du miel à n'importe quelle heure de la journée, 7 jours sur 7. Depuis qu'on a mis ça en place, voilà une semaine, des nouvelles personnes, des nouveaux consommateurs arrivent de tout âge. Les personnes âgées ont un peu de mal à s'habituer, il y a quelques petits ratés au départ, il faut leur montrer, c'est normal. Mais on retrouve, je pense que c'est surtout une classe de consommateurs qui veulent faire vivre les gens du coin. On achète des sandwichs, on achète des boissons, on achète divers produits à travers ce mode de distribution. Ben pourquoi pas de l'alimentaire? Il n'y a pas de raison que des produits frais, extra frais, se retrouvent dans ce mode de distribution-là. Au contraire, moi je pense que c'est novateur et qu'on va de plus en plus, faute de temps, vers ce mode de distribution. Une machine de ce type coûterait entre 4 et 5 000 euros. Un investissement lourd mais qui devrait vite devenir rentable pour son couple de propriétaires. Le distributeur est approvisionné une fois par jour depuis ce poulailler de 3500 poules. Plus aucun employé n'est ensuite nécessaire pour la vente des produits. C'est un peu une solution de facilité à quelque part. Ça nous ouvre, je pense, de nouveaux marchés aussi pour la vente. Et bah, c'est vrai qu'on a vu ça ailleurs, ça nous a bien plu. Et puis ça permet aussi un petit peu de libérer sur Aspach-le-Bas ma belle-mère. Les clients allaient directement chez elle quand ils voulaient des œufs. Et c'était de 7h du matin à 9h du soir. Enfin, c'était non-stop, elle était disponible tout le temps et de moins en moins disponible justement. Donc c'est pour ça qu'on a mis ça en place, le distributeur. Pour les premiers clients, le côté pratique du distributeur domine sur son allure déshumanisée. Acheter des œufs en plein week-end et 20% moins cher qu'en grande surface les a immédiatement séduits. C'est surtout le week-end, le dimanche, quand on n'a rien préparé. Je vous dis, je fais des œufs au plat, c'est un bon menu. La mode, c'est des kebabs, c'est des pizzas. Mais là, c'est beaucoup plus sain. C'est des œufs frais fermiers et c'est l'idéal. Il manque des œufs, les prêts étant là pour Noël, donc ça va très vite. Et puis dorénavant, ils s'achèteraient ici. Les prix sont abordables. Et puis je pense qu'il faut faire travailler aussi les agriculteurs, les exploitants du secteur. Pommes de terre, fraises, pommes ou asperges, ces distributeurs peuvent s'adapter à tous les produits maraîchers. Plusieurs autres projets sont en ce moment en cours de développement dans la région.